Alors, ça fait TikTok. Vous avez certainement vu les images hein, qui ont défilé sur les réseaux sociaux. C'est passé dans le buzz de la semaine de la maman à qui le pasteur a prophétisé que l'enfant sera footballeur en 2011. Mais le diable ne fait que... Je vous ai fait un spécial top 5. Le diable ne fait que... Mamadou, qui est Cabrel Nandip, fait tout pour éviter la tension et l'AVC. Mais le diable ne fait, fait que... Et bien, pourquoi tu me boudes, non? Non, ta mère est trop méchante. Tu sais que Mamadou est méchante, mais elle est là, depuis que Mamadou est partie. Comment on a besoin, pardon. Et tu vois. Pardon. Attention, ABC, plus de cardiaque. Bon, maintenant, la maman la va me sentir. Maman doit m'approcher. Comment? Avertissement. Mais ben, où même j'attrape encore ta fille? Mon patoué. Moi, je casse sa colonne vers tes bras. Mon tchachou. Mon bordel, ta fille est obligée de border. Donc, comment nous mène, on me dit? Ta fille change quoi derrière mon fils? La borderie dans votre famille héréditaire. À quoi qu'il y a ma chance au bobine, non. Bordel comme ça là. Quand je te parle, si ma tension était vraiment au paroxysme. Oh là là. Cabrel Nandip Mamadou, c'est la magie. Hein, c'est franchement. Mamadou. On continue avec notre spécial Le diable ne fait que. Le prophète Big Mop avait prophétisé 5 millions de quêtes, mais le diable ne fait que. J'adore. Il y a tout ça encore recouvert. Depuis un moment, Big Mop est à la une. C'est vrai, sur TikTok surtout. Bon, oui. Il est en Angleterre de l'autre côté. Avec depuis toute un bon bout. On prend des extraits de ces séries qui se retrouvent sur TikTok et qui cartonnent. Franchement, c'est énorme. Bah écoute, on a Frida Choco qui veut vraiment manquer d'appétit quand elle a une déception amoureuse, mais vous connaissez le diable ne fait que. Alors ouais, il y a les filles quand on les bat là, elles disent qu'elles n'ont pas l'appétit. Tu es sûr que tu as vraiment faim? Tu es sûr que la nourriture qu'on a préparée là, c'est ton plat préféré? Parce que moi j'ai un. De manger, mais elle aussi, c'est Ruby la comédienne, elle veut surveiller ce qu'elle mange, comme il se doit. Mais vous-même, vous connaissez. Le diable ne fait que. C'est pas possible. Alors là, le diable ne va pas y arriver, c'est chaud. Elle surveille ce qu'elle mange, énormément de vues et de likes pour ce TikTok. Elle aussi, elle a beaucoup de vues. C'est Inès Belli. Écoutez, les mamans camerounaises veulent bien être comme les mamans françaises. Mais vous savez que le diable. Il ne fait que. On regarde. En France, quand un enfant tombe devant sa mère, ça donne ça. Mais fais attention, ça va? Tu t'es pas fait mal? Oh, fais attention, d'accord? Au Cameroun. Ne la regarde pas, sinon elle va pleurer. Fais-le. Quand elle pleure, la femme va se créer tes filles. Va sa tête comme l'accident. Tout le monde joue, il n'y a personne qui tombe. Tu es la seule qui tombe, tu es devenue la pluie. Pas ça va. Avant que tu doses, tu oublies ton nom. Pas ça va. Tu es devenue la pluie. Oh my God. J'ai envie de conclure. Possible. J'ai envie de conclure ça comme il se doit, mais vous savez, moi-même pour moi-même le diable. Le diable ne fait que. C'était ça petit TikTok avec Tatiana. On est toujours avec Daniel Baka. Yes. Daniel Baka, on va danser avec la tête. Tu vas nous montrer tout à l'heure. Danse avec la tête. C'est pas difficile. Ça peut faire mal. Hein. Parce que le pied, tu sais que déjà avec Pingue, tu as cassé des jambes. Donc vraiment. Moi, je dis la vérité. C'était difficile. Hein. En boîte de nuit, le là. Souffle, le souffle de chat. On était pieds nus en boîte de nuit. Hein, parce que vraiment, c'était compliqué. Le souffle de chat. Aïe. Et là aussi, tu veux nous faire le sport de la tête. Hein. Tu as fait danser ma machine. C'est pas avec trop d'efforts. Ah, c'est pas avec trop d'efforts. Il faut faire doucement aussi. On a dit le principe du pingui, c'est chacun danse comme il veut. Mais c'est quand on voulait faire comme toi. Avant, c'était la force d'avant. Maintenant, on va danser. Avant de revenir à Danse avec la tête, il y a un petit pays qui a envoyé une belle petite vidéo là pour montrer qu'il va bien.
Voilà, on lui a juste posé la question. Hein. Mmh. Habi, comment tu vas? Voilà, et il a répondu. D'Artagnan, mon directeur. Ici, Chad. Nous sommes ici à Chad. Je suis avec mon directeur, D'Artagnan. C'était sa réponse à ma question et voilà. Il a bien répondu. Il se balade à Châtres en France et il prépare certainement quelque chose puisqu'il est avec son directeur. Mm-hmm. Daniel Bacca, danse avec la tête. On va se retrouver certainement un de ces soirs encore une fois ici. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui te regardent et qui te retrouvent après pas mal de temps? Bon, je dirais tout simplement merci parce que j'ai constaté que mon public est toujours resté fidèle à m'attendre. Je suis vraiment ému. La réception dans les réseaux sociaux, l'accueil, et je suis conscient que tout le monde ne peut pas t'aimer. Non, okay. Ceux qui vont t'aimer resteront avec toi. Je profiterai aussi de l'occasion pour dire un grand merci à tous qui m'ont soutenu et à ceux qui continuent à me soutenir dans ce projet-ci. Plus pratiquement à mon aîné Jean-Jacques Diop qui se retrouve au niveau de Paris. Oui, Jean-Jacques Diop Miseke et à mon grand frère Mboum Tchou Valet, celui dont j'ai parlé tout. Oui, tout à coucou à Valet. On a appris des choses. Mboum Tchou Valet. Voilà, mais merci Daniel Bacca. Oui. Tu peux pas partir sans danser avec la tête avec nous, hein, c'est pas possible. Je vais d'abord mimer une petite partie. D'accord. Quand je suis tombé, tu as jubilé. Voilà. Devant les amis, tu as manifesté. Mais aujourd'hui, que Dieu m'a relevé, tu es gonflé parce que tu veux ma chute. Les amis devenus les ennemis. Voilà. Tous mes camarades devenus mes détracteurs. Voilà. La famille devenue mon obstacle. Voilà. J'ai entendu, j'ai dit je ne réponds pas haut. Les amis devenus les ennemis. Tous mes camarades devenus mes détracteurs. La famille devenue mon obstacle. J'ai entendu, mais je n'ai pas répondu. Oh!